Puis ce soir, nous revenons sur cette communication du président de la République, c'était hier, une communication que vous avez pu suivre sur les antennes de Gabon Télévision, déplorant les troubles post-électoraux. Ali Bongo Ondimba a invité l'ensemble des populations gabonaises à une extrême vigilance, tout en appelant les acteurs politiques à respecter les institutions de la République ainsi que les principes de la démocratie. Je vous invite à nouveau à suivre un extrait de cette allocution. Fort de l'observation des semaines que nous venons de vivre, je ne veux pas que certains les créent pour les rendre réels. J'appelle donc les Gabonais à la vigilance et à l'esprit critique. Je ne veux pas que la vie de nos compatriotes devienne un argument politique pour des désespérés prêts à tout. Je ne veux pas que l'on tue des Gabonais ou toute autre personne vivante au Gabon pour prouver que l'impensable existe. L'Afrique, dans les années 90, a déjà vécu ce type de calcul cynique et macabre, mais à l'arrivée, celui qui paye, c'est toujours le peuple. Avant d'être président de la République, j'ai occupé des fonctions qui ont mis la sécurité des Gabonais sous ma responsabilité, notamment en tant que ministre de la Défense nationale. Jamais je n'ai mis la vie d'un Gabonais en danger, jamais je n'ai attenté à leur liberté. Je sais que la violence ne laisse qu'une chose derrière elle. Cette chose, c'est le malheur.